Voilà, donc chers compatriotes, comme chers Congolais, voilà, nous sommes ici maintenant en direct. Donc nous sommes en direct de Bruxelles. Donc nous sommes là en direct de la place de Flagey, enfin place de Bruxelles, place Lumumba comme ils appellent ça aussi. Nakati à Bruxelles, à Namatongé, à la porte de Namur, nous sommes là pour relancer la population congolaise sur ce que nous venons faire ici dans cette diaspora. Pourquoi cette diaspora résistante est née? Tout simplement pour reprendre la terre de nos ancêtres, cette terre qui nous a été volée de façon très injuste, jusqu'à créer des millions et des millions de morts dans nos pays, des viols indescriptibles et une exploitation de nos enfants à des niveaux abominables. Alors peuple congolais, beaucoup t'attends la direct. Il est important que les Congolais puissent complicité à Belge, n'a pas pouvoir en place, n'a pas traître opposant, balingite tout en gola, balinka tout en gola, awa, de façon ce que tu pas toujours, bozalara, bato yo yo, bazo kopa, pour s'en sortir, donc balé complicité, fallait tous en marche, tout en gola, babo, il va bloquer, biso, balibi, botan, bola, te, bade, gomso, bazala, ki, balembi, babom, ok, de mais continuons toujours la lutte, car c'est avec la lutte que tout notre victoire sera certaine. Le message président Sali. Oui. Je m'adresse au peuple congolais et au peuple africain. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que c'est le 3 novembre, le samedi 3 novembre 2018, sur la place Porte de Namur. Pourquoi nous sommes venus manifester pour protester? Nous sommes venus protester contre les élections organisées par le pouvoir d'occupation, le régime de la Kabylie, pour protester contre les dialogues qui est en train de se préparer pour aller à la transition avec la Kabylie et que le peuple congolais dit non à la transition avec Kabila. Nous disons stop au massacre en République démocratique du Congo, car actuellement, il y a des atrocités. On massacre tous les jours le peuple congolais par un clan de Tutsiland. Et alors, c'est quant à nous, peuple congolais, de s'élever et de dire stop au massacre de Tutsiland en RDC. De dire stop à Kabila. Stop aux accompagnateurs du pouvoir d'occupation. Qui sont ces accompagnateurs? C'est la force. Et comment dirais-je, la fausse classe politique congolaise, c'est les opposants de la République démocratique du Congo qui accompagnent ce régime de la Kabylie. Nous devons les bouter dehors, parce que si aujourd'hui Kabila et son clan persistent, c'est à cause des opposants de la RDC. Aujourd'hui, les opposants, ils ont accepté d'aller aux élections qui sont déjà gagnées par celui qui a organisé. Qui a organisé ces élections? C'est Kabila, c'est Kagame, c'est Museveni. Aussi longtemps que les institutions congolaises sont prises en otage par un clan Tutsiland. Donc, il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous devons nous battre pour bouter dehors le pouvoir d'occupation et que la souveraineté nationale revienne au peuple congolais. Ingeta, Ingeta, merci président. Navandi bazo bengo kuna pour que nous reçoivons parole pour un message. Message, message. Donc, bandeko ndenge bomoni tozali awa. Totie ba serke yango ezali awa. Kote toko bako. Kunda bandeko oyo. Batrayi peuple. Nandenge ya biso
Richesse immense, mais ce pays-là vit avec une population appauvrie.
meurtri, assassiné, violé chaque jour. Et vous, vous regardez cela sans rien dire, parce que vous êtes dans vos commodités, mais vous savez pourquoi on peut construire vos immeubles, là. D'où vient le matériau? D'où vient ce matériel? Pour que vous puissiez vous manger à votre faim? Où vient la richesse? Toutes vos entreprises pillent le Congo. Et vous, vous êtes complices de ce pillage. Tous vos dirigeants tuent le peuple congolais. Et vous, vous êtes complices de ces tueries, de ces massacres. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas la haine de se battre contre vous, peuple belge. Mais le peuple congolais demande au peuple belge de comprendre ce qui se passe dans nos cœurs. Comment est-ce que nous ne pouvons vivre ici décemment, manger, nourrir? Toi, et ainsi de suite, en regardant derrière nous, on voit nos pauvres enfants meurtris, violés par des soldats, des mercenaires qui ont été asphyxiés mentalement, spirituellement, pour faire du mal à leurs enfants, à leurs frères et à leurs sœurs. Comment est-ce que nous pouvons décemment rester ici, manger, boire, marcher, quand on voit les femmes violées comme jamais possible on a pu violer un être vivant? Quand on voit encore nos pauvres petits-enfants envoyés dans des mines de fortune, récolter du coltan, récolter de l'uranium, alors que nous savons très bien que cela est irradiant, provoque des cancers. Et ces cancers-là, malheureusement pour eux, n'ont aucun soin. Alors peuple belge, peuple africain, il est temps de se réveiller. Nous devons cesser de faire la politique de l'autruche. Nous devons cesser de faire semblant. Parce que vous savez comment nous souffrons en Afrique. Vous savez comment nous souffrons au Congo. Et vous osez nous regarder et vous dire que nous sommes vos compatriotes. Aujourd'hui, je viens de France. Je ne suis pas fière d'être française. Parce qu'être française, ça veut dire que je suis complice de ce qui se passe au Congo. Ceux qui sont belges, je vous demande de ne pas être fiers d'être belges. Parce que ça veut dire que je suis complice de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes des singes de poire. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes enchaînés. Quand vous avez mis les nôtres dans votre musée de Trenden. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour vous dire que maintenant, cette génération qui a tant subi, mais tant subi de discrimination, qui aujourd'hui est face à une réalité qu'elle ne peut plus échapper, cette réalité veut que nous nous battons, cette réalité veut que nous nous imposons, cette réalité veut que nous crions, et cette réalité veut qu'on prenne les armes de main pour tuer celui qui nous tue. Voilà pourquoi nous sommes ici. Alors peuple congolais, peuple belge, sachez-le, le monde tourne. On fait tout pour vous protéger. Vos dirigeants font tout pour vous protéger contre nous. Mais ces mêmes dirigeants-là vous affament. Aujourd'hui, allez regarder le prix de votre pétrole. On vous dit qu'on achète le pétrole au marché arabe parce que le pétrole coûte 1 euro le brut. Mais tout le pétrole qu'ils volent en Afrique noire, est-ce qu'ils vous disent à combien ils l'achètent? Mais ils augmentent le prix de l'essence ici. Pour que vous, peuple belge, peuple français, peuple africain, peuple du monde, vous continuez à être asservi à eux. Aujourd'hui, le monde est contrôlé par un groupuscule d'hommes assoiffés de sang. Parce que c'est ça qu'ils font, assoiffés de sang. Et le sang, ce n'est pas que le sang du peuple congolais qu'ils boivent, c'est le vôtre. Parce que de plus en plus, vous mourrez ici. De plus en plus, des maladies sont provoquées dans vos gènes, dans vos corps. De plus en plus de cancers. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous mettons est atteint d'une maladie. Parce que ces gens-là sont assoiffés de sang et ils ne regardent pas la couleur de ce sang. Alors, peuple, il est temps de vous réveiller et de joindre la lutte du peuple congolais. Parce que c'est comme ça que nous allons libérer non seulement nos esprits, mais aussi nos corps qui sont enchaînés. J'ai appris que le musée de Dieu, nous, votre musée ici, belge, a été réouvert. Mais que l'espace, le musée des terres virelles, mais l'espace qui est consacré aux esclaves noirs, aux esclaves congolais, et tout sous-sol, au dernier sous-sol, cet espace est interdit de visite. Alors pourquoi exposer si les gens ne peuvent pas voir? Parce qu'aujourd'hui, la Belgique se retrouve face à une réalité. Ils ont honte de ce qu'ils ont fait au peuple congolais. Ils ont essayé de taire l'histoire pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, l'histoire a été plus rapide qu'eux. Elle les a rattrapés. La vérité se sait. Et quand la vérité se sait, on ne peut plus la taire. Peuple congolais, peuple du monde, ce n'est pas en restant les mains dans les poches, ce n'est pas en restant dans nos maisons que nous allons changer quelque chose. Partout où vous êtes, dans tout le type de travail que vous faites, pensez à l'avenir de vos enfants.
penser que demain ces enfants-là n'auront pas de place ici en Europe. Nous qui avons grandi ici, nous savons, nous nous retrouvons face à un mur. Nous avons X diplômes, nous nous retrouvons face à un mur. Alors nos enfants, avec ou sans diplôme, qu'auront-ils devant eux? Dites-le-moi, c'est maintenant qu'on prépare l'avenir des enfants et des petits-enfants. C'est pas quand ce sera arrivé qu'on n'aura plus la force de se battre, qu'on n'aura plus la force d'aider ces enfants-là. Donc on devra se battre. C'est maintenant, peuple africain. La résistance congolaise, elle est là. La résistance congolaise, elle est là. Elle est là aujourd'hui au peuple congolais que nous allons continuer à nous battre. Comptez sur nous, on ne s'arrêtera pas tant qu'il nous restera un souffle de vie, tant qu'il nous restera une goutte de sang dans notre cœur, nous ne nous arrêterons pas, nous nous battrons jusqu'au bout, parce que ce n'est qu'avec la lutte qu'on pourra se libérer. Ingeta, Ingeta, Bandeko, un message pour les collabos, Bandeko, on va ici en terrain des traîtres qui nous ont trahis. Et ces traîtres-là, certains pour certains habitent ici en Belgique. Certains ont la langue lourde, certains ont la bouche fermée, n'arrivent pas à prononcer leur nom. Mais moi, je vais vous les citer. Nous allons aujourd'hui torturer les nôtres, parce que la traîtrise ne se fait pas avec un étranger. La traîtrise se fait avec nos proches, avec les nôtres. C'est pour cela qu'on parle de traîtres. Ce sont les nôtres qui nous ont trahis, qui aujourd'hui ont vendu cette résistance pour que nous ne puissions pas attaquer l'occupation. Nos traîtres sont Bemba, qui est un traître, Félix Tshisekedi, qui est un traître, Mojito, qui est un traître, Katumbi, qui est un traître, Boimulunda, traître, Boimulunda, traître, Mokia, traître, Noël Tchani, traître, Badibanga, traître. Moïse, on avait déjà Moïse, vous avez belé. Mende, traître. Jouta, traître. Jibala, traître. 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 Mosengo, Mosengo, traître. Matembulu, 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 traître. Matembulu, traître. Matila, traître. Alors Bandeko, faut continuer ma traître Bazalina, nous faut continuer à citer Bango. Bango, allez nous recouvrir Bango. Parce que maintenant qu'on va faire, ma compagnie d'être Nabisso, et tout le monde veut nous tenir. Parce que nous l'avons vu, c'est tout ça là. Nous l'avons vu, c'est tout ça là. Et nous l'avons vu, c'est tout ça là. Et nous l'avons vu, c'est tout ça là. Oui, c'est bien lui. On va dire qu'on a vu, c'est tout ça. Qui n'y a la tête à mon kilioyou. Alors, il y a moi de continuer. Ma traître, ma traître, ma compagnie de l'élo. Ingeta! Ingeta! Bemba, traître! Allô. Bandeko ba congolais. Bandeko ba congolais. Boyaki manifestation. Toyoka na malamu. Toza komona ba groupuscule na ba coin. Eza mabe. Toyeli bozo manifestation. Toza kosenga na biso nyonso bandeko ba congolais. Esika oyo totie ba cercueil. Toko kako pusana. Tala tango sango boye. Tosa la serre. Bandeko. Olo wana bakouin. Chéri le commando. Manifestation za koto papa. Bon bande pitu komongo. Oya to pusana. Tosa eto sa la masse. Bandeko. To pusana. Esika manifestation et zali. Toki kako kele mana bakouin. Bandeko kongole. Il y a une manifestation. Bandeko, essayez d'avancer. Il y a une manifestation. Tout pousse à et c'est une manifestation. Les amis, il y a pour le intérêt de l'Oyo. Les amis, important. Tous en avons beaucoup. Pas égaux d'abisso. Tout ça, un mot de côté. La manifestation. Et l'autre, les amis, important. Bandeko. Et l'eau que j'allais important, et l'eau que j'allais ici, c'est les alliés Maman Congo. Et l'eau que j'allais important, tout pendant d'abord, n'a qu'on soit une minute de silence. Il y a ma mort, il y a plus de 12 millions de morts. Il y a ma Congolais, il y a ma Koufa, il y a occupation et bomi, il y a ma Kila na Bango, il y a ma Kila na Bango, il y a ma Kila Tangi, et l'obito bunde la pona Bango, il y a ma Toyaki Awa. Pour la libération totale, il y a Congo. Toujours d'abord une minute
des silences. Merci. Bande Koto banana hymne national. Bon respect. Il y a Bendele Nabiso. To banana hymne national. Après to banana banessage. Poignet levé. Signe à résistance. Et pour Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons l'enfant longtemps courbé. Et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple entend. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez. L'emblème est d'ombre votre souveraineté. Congo, grand béni, Congo, les aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ingeta! Ingeta! Boyebi, Tosangani Awa, Mukolo Yalelo, et ça pour la liste qui était. Tosali d'abord, Babantu, Torolobana Mounoronabiso Yalingala, mais Torolobana français. Boyeba, quel message a-t-elle écrit à Lingala, na français, et Kokobi la Bango. Et ça lui pour toi interpeller opinion nationale, internationale, et surtout l'opinion publique. Et là, quoi, et Sangisi Biso Mukolo Yalelo, peuple congolais. Yali Bosso, Tosali contre occupation, Oezali pour dominer, Nakati ya République démocratique du Congo. Et l'Okwe Sangisi Biso, Toboiba élection, Oyo Ezali organisé toujours dans le régime ya occupation. Parce que Kokende, na élection, na occupation, Ezali qu'on favorise Bango, Pabatika la Seko na Seko. Tomonaki, exemple, en 2006, en 2011, tokende ki na ba urne, bolanda bien bandeko, tokende ki na ba urne, mais, dans mon akibino moko, proclamation ya ba résultat, eza la bango imulunda, ba bimisaki, moutou na bango, Hippolyte Kanambe, Kabila. Lelo, toye koko man en 2018, toko ki kondimate, en aucun moment, toko ki ko accepté, toko ne na ba élection, na pouvoir ya occupation. Olivier Yango, est-ce que Bolivie élection na occupation? Toko Yango, peuple congolais, Bolivie ko préparer dialogue, pour toko ne na transition na Kabila, est-ce que peuple Bolivie Yango? Est-ce que Bolivie Yango? Pour y qu'on la transition avec la Kabylie. Peuple congolais, nous allons déclarer stop au massacre. Stop au massacre dans le Congo. Stop au viol au Congo. Nous comptabilisons plus de 12 millions de morts dans le cadre de mon cannabis. Nous avons bien que le lot, nous commis plus de 3 millions de viols, nous allons utiliser comme arme de guerre. Toboi ba viol na mboka na biso. Toboi ba massacre na mboka na biso. La seule alternative oyo ekoki komema changement ezali la désobéissance civile. Oyo tobengi soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Banani nzamba bimela bomengo. Banani.
nous sommes encore enterrés tous les opposants politiques. Tous les opposants politiques, ce sont les accompagnateurs du pouvoir de
Fais ça, Nino, on est à Hippolyte, on est à Awa. Bon, ça, c'est...
Wenda, 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 w